n'as pas t'inquiéter. Tu n'as pas t'inquiéter. Il n'y a aucune crainte. La joie vient le matin. Le zopère veut dire qu'un temps. Souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera tous tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Je sais, je veux y arriver. Je sais, je veux l'atteindre. Et à penser qu'il y a sur mon chemin ma vie est dans ta main. Oui, je sais. Je sais, je veux y arriver. Je sais, je veux m'atteindre. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie est dans ta main. Ne sont plus là pour toi. Souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Lorsque pareil ami, lorsque pareil ami, ne sont plus là pour toi. Ami Jésus qui essuiera toute la. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare. Je sais, je veux y arriver. Je sais, je veux passer. Peu importe, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie est dans. Avec Jésus,
Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie est dans ta main. Avec Jésus. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, par-dessus la nature et les choses créées, au-dessus des sagesse et tout le voisin. Avant que le monde fût, au-dessus de royaume, au-dessus des trônes, au-dessus de merveilles que le monde a connues, au-dessus des richesses et des trésors. Au-dessus de puissance, au-dessus de puissance, au-dessus de roi, par-dessus la nature et les choses créées, au-dessus des sagesse et toutes les voies humaines, tu étais.
Excellent Père Céleste, nous sommes encore de retour dans ta présence ce soir. Nous croyons que tu es notre espoir, tu es notre ressource, tu es notre énergie spirituelle, tu es notre récompense, tu es notre solution, tu es notre appui, tu es le pourvoyeur. Seigneur Jésus, allège notre esprit dans ta présence ce soir, notre Dieu, notre Père. Et permet que nous soyons sensibles et que nous puissions saisir ton langage comme tu la donnes, Seigneur notre Père, et que nous puissions comprendre la mission et la volonté que tu placeras dans chaque portion de ta parole. Ouais, la parole que nous allons lire tout à l'heure, accorde-nous l'onction et l'orientation ainsi que l'inspiration. Bénis mon frère, bénis ma sœur et bénis celui qui est en cours de route, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Accepte-nous, Père Jéhovah des miracles, tels que nous venons, pour que toi tu puisses réparer toutes les pentes qui se trouvent dans notre esprit, dans notre âme, dans notre conscience, dans notre cerveau, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, et que nous puissions être acceptés de ta présence, pour que nous puissions sortir de cette présence avec un gain et un bénéfice de ta part. Nous condamnons tout esprit de confusion parmi nous, et nous condamnons tout esprit de distraction et de paresse, et nous réclamons, Seigneur Jésus-Christ, la concentration surnaturelle, afin que toi tu sois le seul maître qui va tenir le bon, le volant de ces réunions ce soir. Nous croyons que tu es celui qui a dit « Je suis votre Dieu et je vous guéris de toute maladie », que toutes nos maladies spirituelles tant que physiques soient guéries par ta présence et que nous puissions marcher par la vérité au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons lire le livre de Juges, chapitre 6. Juges chapitre 6. Basambisi mokapoma motoba. Au 25e verset. Etenia tukumi balena mitano. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et 50 taureaux de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les 50 taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois d'idole, de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pied sacré qui était dessus.
Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal... » Je suis où? Ok. Si Baal est un dieu et qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Et en ces jours, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes très reconnaissants envers Jésus-Christ ce soir. Comment glorieux qu'il nous accorde encore dans sa présence. Il mérite nos applaudissements ce soir. Et nous sommes venus pour l'acclamer et l'applaudir. C'est l'instrument à 10 cordes que Dieu t'a donné pour le servir avec. Ne te fatigue jamais d'utiliser cet instrument pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jéhovah. Ok, c'est merveilleux, c'est très glorieux parce que nous étions ici ce matin. Et nous voulons continuer avec la pensée du matin pour que cela puisse donner la foi à ceux qui sont venus ce soir et l'orientation dans les services de cet après-midi. Alors nous avons fait une entre parenthèses et nous sommes en train de parler sur les gardiens des hôtels. Les gardiens des hôtels, c'est toujours dans la bénédiction de l'alliance. Et, ou bien les veilleurs. Les veilleurs ou les gardiens des hôtels. Dans notre thème principal, nous parlons de la bénédiction de l'alliance. Et je voudrais que nous puissions retourner dans les livres de Deutéronome 8. Et nous prendrons le 16e verset. Et dans ce livre-là, il est dit ceci. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères? Enfin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Est-ce que vous comprenez l'introduction? C'est une question de qui t'a fait manger et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Enfin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Des fois, Dieu nous laisse passer par l'humiliation. Mais tout cela est bon pour nous. Parce qu'après l'humiliation, il y aura l'élévation. Verset 17, il dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous comprenez par là que on nous interdit que ce n'est pas notre force qui peut nous donner la richesse. Nous ne pouvons pas prendre la richesse qui est entre les mains de quelqu'un d'autre et l'acquérir dans nos mains par notre propre force. C'est impossible. C'est une interdiction formelle. Garde-toi que chacun de nous ne puisse pas dire que c'est à cause de mon intelligence que je sais que je
C'est à cause de mes études que je possède ces qualités que j'ai. Mais sais-tu combien de plus intelligents mais qui n'ont pas ce que toi tu possèdes? Il y a même qui ont battu le record quand vous étiez à l'université. Mais je vous dis qu'ils n'ont pas ce que toi tu as aujourd'hui. Alors il ne faut jamais t'estimer en disant que non, c'est à cause de ta force et de ton intelligence que tu as ce que tu possèdes. Au verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Bon, la force nous vient de l'Éternel Dieu. Parce qu'il peut arrêter et quand il décide, c'est fini, tu deviens inapte, tu deviens paralysé. Et tu n'auras plus la force d'aller ceci, d'aller ici et d'aller là. C'est pourquoi on nous recommande tous qui sommes venus ce soir de se souvenir toujours de l'Éternel. Parce que même la force que nous avons là, nous l'obtenons de l'Éternel. Et pourquoi nous devons acquérir tout cela par la force que l'Éternel nous donne? C'est tout cela est lié à cause de l'alliance. Amen. L'alliance que Dieu avait établie entre lui et nos pères. L'alliance qu'il avait conclue entre lui et nos ancêtres. Et comme il est obligé de tenir à l'alliance, comme il est appelé à confirmer ce que lui avait pris comme responsabilité, c'est à cause de cela que nous pouvons ce soir obtenir quelque chose et être confirmés dans sa présence. C'est pourquoi nous avions dit que la bénédiction de l'alliance est transgénérationnelle. Est-ce que nous pouvons dire amen à la parole? Maintenant, revenons aux paraboles du talent. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Écoutons ce que Jésus est en train de nous communiquer comme pensée là-bas. Matthieu chapitre 25 verset 14. Jésus dit ceci à ses disciples. Une parabole. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Un homme qui est en train de voyager et pendant son absence, durant son absence, il n'a pas voulu laisser ses serviteurs même réduits. Il les a tous distribués ses biens. Et c'est ce que l'Éternel a fait pour chacun de nous. Jésus dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chaque, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Voilà. Regardez, il parle de la capacité. Il savait que la capacité de celui-ci c'est de recevoir un seul talent. Et à l'autre, il ne peut que recevoir que 2 talents. Et à un autre, il lui a donné 3 ou 5 talents.
Amen. Amen. Voilà, chacun ne manquait rien. Et tous les trois serviteurs, chacun avait eu sa part selon sa capacité. Et vous remarquerez que la bénédiction de l'Éternel dans nos vies dépend de la capacité que vous dégagez. Si vous avez assez de capacités, votre capacité détermine la réception de biens qui viennent d'en haut. Et maintenant, il a dit ceci. Et au verset 16, il dit, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. J'interpelle votre esprit à cette parabole. Lorsque le voyageur avait remis les biens à ses serviteurs, il ne leur avait dit absolument rien. Il ne leur a pas dit ce qu'il devait faire avec. Tout ce qu'il leur a dit, je suis en train de voyager, mais je reviendrai. Mais je ne peux pas voyager sans vous remettre quelque chose. Et selon les capacités, alors il a donné 5, 2 et 1. Mais c'est la personne qui reçoit le talent. Alors, qui s'est découvert soi-même. Il a compris la responsabilité de son maître. Il a compris ce que le maître lui avait confié. Il a compris ce qu'il fallait faire avec ce que le maître lui a donné. De soi-même, la Bible déclare. Alors celui qui avait gagné, qui avait reçu 5, il est allé faire valoir et il gagna 5 autres talents. Et de même, celui qui avait reçu les 2 talents, il a compris ce qu'il fallait faire avec ces talents-là. Personne n'est venu le chuchoter à l'oreille. De eux-mêmes, ils ont compris ce qu'il fallait faire avec ce talent. Alors, il a gagné 2 autres talents. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous comprenez, on traduit maintenant ici que le talent équivaut à l'argent. Alors il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Sachez qu'il y a un temps où Dieu va nous demander les comptes. Dieu a te demandé les comptes. Alors il a demandé les comptes. Amen, amen, amen. Il leur a demandé les comptes. Amen. Amen. Et après avoir demandé les comptes, pourquoi il doit demander les comptes? Parce qu'il savait qu'il avait donné une activité à chacun d'entre eux. Il savait qu'il devait travailler. Il savait que lorsqu'il remet quelque chose à un homme, ce n'est pas pour orner sa vie. Ce n'est pas pour embellir sa vie. Non, c'est pour une mission bien déterminée.
bien fixé. Et comme nous avons un maître au ciel, et que nous sommes les serviteurs de ce maître-là, chacun de nous ce soir dans cette église a de bien que Dieu lui a confié. Maintenant, le reste de travail n'engage pas Dieu. Amen. T'engages-toi personnellement. Si tu ne prends pas conscience du travail auquel Dieu attend de toi, écoutez la suite, ce qui va se passer. Quand le maître est arrivé et qu'il a demandé des comptes, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Écoutez la réaction du maître. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il introduit la notion de la fidélité. Il dit: c'est bien, bon et serviteur fidèle. Qui a été fidèle en paix de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et ensuite il dit: celui qui avait reçu des talents s'approcha aussi. Et il dit: voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en paix des choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Pour entrer dans la joie du maître, il faut d'abord être fidèle aux attributions qu'il attend de vous. Son maître lui dit: amen, c'est bien, bon serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Écoutez son langage. Il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Écoutez sa compréhension des faits. Vous voyez que tout dépend de la compréhension. Amen, amen. Du responsabilité que Dieu vous a confié dans votre vie. Si tu ne te lèves pas pour comprendre tel que Dieu t'a remis ses responsabilités, le sort qui attendait cet homme sera ton sort. Vous avez vu qu'il a remercié les 2 autres parce qu'ils avaient la capacité de saisir ce que leur maître attendait d'eux. Ils avaient compris que Dieu ne peut pas tout simplement nous accorder ses biens vainement. Il ne peut pas nous accorder ses biens vainement. Mais si nous l'a donné, c'est pour que nous puissions bien gérer ces biens-là. Il ne faut pas que nous les rendons tout ce qu'il nous a donné. Mais nous devons rendre cela avec un bénéfice. Alors ils se sont mis au travail. Ils ont compris ce que l'invisible attendait d'eux. Amen. Écoutez la compréhension de ce dernier. Il dit: je sais que tu y es
très dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, écoutez. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il pense qu'il aura plus que les autres. Il pense qu'il sera apprécié plus que les autres. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et en retour j'aurais retiré ce qui est en moi avec un intérêt. Voyez que tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour que cela reste en nous constant, mais par la parabole de talent ici, vous comprenez que si Dieu a mis quelque chose dans ta vie, c'est toi celle qui doit travailler, c'est toi celle qui doit découvrir le chemin de soi pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Alors, est-ce que vous avez saisi quelque chose? Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est impossible. C'est très impossible. Après avoir vécu l'expérience terrestre, après avoir vécu dans la chair et retourné dans le spirituel avec les mêmes choses, non, c'est impossible. Si nous sommes dans la chair, puisque nous sommes des êtres spirituels et nous sommes venus dans la chair pour vivre l'expérience physique, nous devons savoir que Dieu attend la multiplication de votre part. Dieu attend l'addition de votre part. Dieu attend l'augmentation de votre part. Et si vous êtes considéré par le maître, il t'appellera bon et serviteur fidèle. Et quand tu es bon et serviteur fidèle, c'est-à-dire tu sais comment multiplier, tu sais réellement fructifier, tu sais réellement utiliser le talent que Dieu a placé dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ceci ce soir? Qui peut dire un grand amen? Amen. C'est amen. Pourquoi Philippiens chapitre 2 déclare au verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est une responsabilité. Alors quand Dieu vous donne l'opportunité de travailler, travaillons. Amen. Pour qu'une femme tombe enceinte, ce n'est pas tous les jours qu'elle tombera enceinte. Il y a une saison, un temps bien fixe pour que celui-ci tombe enceinte. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas tout le mois qu'elle tombera enceinte. Il y a des saisons pour chaque chose. Si ce moment est
c'est le moment du travail, alors faites ce travail de tout ton cœur. Travaillez avec tremblement comme déclare Paul aux Philippiens. Ne faites pas à peu près, faites-le de tout ton cœur. Travaillons au compte de notre propre salut. Et non pas simplement quand je suis présent, même à mon absence, vous devez travailler d'arrache-pied. Vous devez travailler de tout votre cœur. Parce que vous comprenez votre position dans l'église. Parce que vous comprenez votre place dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. C'est pour cela, nous avons lu hier, Frère Branham dit, le talent aussi suit les familles. Les talents suivent les familles. Ça vient d'un père au fils. Mais pour ressortir ces talents, il faut commencer avec le jeûne et les prières. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est adorable ce Dieu-là. Maintenant, écoutons ce soir. Nous avons parlé ce matin sur le gardien des hôtels. Les veilleurs qui veillent sur les hôtels. Nous avions expliqué ce matin. Nous vivons dans un monde qui subit. Les canaux où toi et moi nous vivons maintenant, ce monde appelé le monde terrestre, c'est un monde qui subit. Vous êtes ensemble avec moi? Nous subissons les influences. Et ces influences peuvent être négatives ou bien positives. Et alors, nous avons posé la question de savoir comment fonctionne le monde des influences. Ou bien comment fonctionne le monde spirituel. Lorsque vous lisez les livres d'Apocalypse, il y a les visions, il y a des symboles. Le prophète a prêché Apocalypse, livre des symboles. Et tous ces symboles ont un sens spirituel. Et vous remarquerez, on parle du trône. Et on parle des êtres vivants. Et après on parle des hôtels ou de l'hôtel. Et la question revient tout de suite après avoir vu ces symboles là. Puisque Jean était ravi jusqu'au ciel, et qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône, et quelqu'un qui était assis sur ce trône là, il y avait les êtres vivants, après les êtres vivants, et il y avait l'autel. Maintenant nous nous posons la question, pourquoi ces choses doivent être doivent exister au ciel? Non, chaque symbole a son sens d'être. Ce sont les moyens par lesquels Dieu travaille. C'est pourquoi vous remarquerez lorsque vous lirez dans l'Apocalypse chapitre 10. Il dit, puis j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de la nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Amen, amen, son visage brillait comme le soleil. Et
Il avait un petit livre ouvert, il posa un pied sur la terre et sur la mer. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Et quand il a posé un pied sur la terre et sur la mer, au verset 4, la Bible dit ceci: quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: il y a les sept tonnerres qui font entendre leur voix. Il y a une autre voix qui se fait entendre à partir du ciel. Ça, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel est complexe, mes chers frères. Et pourquoi l'autel? Et pourquoi les êtres vivants? Et pourquoi le trône? Le trône est le symbole du pouvoir. Celui qui veut avoir le gouvernement, il doit d'abord s'asseoir sur le trône. Et même sur la terre aujourd'hui, il y a une chaise. La chaise est là. C'est ce qui te donne le pouvoir au-dessus des autres. Alors, nous retournons dans la demande spirituelle. Dieu pour régner dans les domaines humains, même pour régner dans les domaines spirituels, il a besoin de deux choses. Il a besoin du trône et il a besoin de l'autel. Il y a de sa demeure, assis sur son trône, il parle à partir de son trône, mais la voix qu'il parle, il y a un veilleur, il y a un ange qui doit récupérer cette voix-là. Alléluia. Amen. Et il va parler à partir de l'autel. La voix de Dieu se fait entendre à partir de l'autel. Pourquoi l'autel? L'autel est le lieu qui établit le point de contact. Alléluia. Qui établit la connexion entre l'invisible et le visible. Dieu est invisible. Toi et moi, nous sommes visibles. Et Dieu a établi un moyen de contact. C'est pourquoi Dieu utilise l'autel. C'est le même modèle que Satan a copié. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire un grand amen ce soir. Amen. Amen. C'est le même modèle qu'il a copié. Il n'a jamais créé. Satan n'a jamais créé. Mais il n'est qu'un imitateur. Réveillez-vous, vous qui sommeillez. Ne faut pas sommeiller ce que vous avez mangé. Un homme qui gêne ne peut pas sommeiller. Je ne crois pas ça. Comment tu vas trouver facilement le sommeil? C'est impossible. Qui peut dire amen? Non, non, amen, amen. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'explique ici, tu ne sauras pas travailler sans connaître le fonctionnement. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Parlons un peu de cela, lisons quelques écritures. Lisons quelques écritures pour affirmer ce que je viens de dire. De la même manière que Dieu travaille avec le trône, avec l'autel et des gardiens, Satan a pris le même modèle. Satan a travaille aussi avec l'autel. Il a aussi des gardiens. Il a aussi son trône. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a le royaume satanique et il y a aussi le royaume de Dieu. Des royaumes différents. Amen. Amen. Maintenant, le diable a plus de pouvoir parce qu'il est le patron des royaumes terrestres.
Tous les royaumes de la terre sont sous la chefferie de Satan. Il a présenté cela à Jésus-Christ lors de la tentation du désert. Et Jésus n'a pas nié cela. Jésus n'a pas dit non, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un bluffeur. Il savait qu'il disait la vérité. Il savait que ces royaumes appartenaient à Satan. C'est pourquoi il est l'auteur de guerre sur la terre. Il est l'auteur de troubles sur la terre. Même les guerres dans la famille, c'est toujours lui. Même les guerres dans la société, c'est toujours lui. Même les conflits dans l'église, c'est toujours lui. Tant que vous êtes sur la terre, il y a toujours une même mise que Satan a sur vous. Parce qu'il se réclame l'autorité terrestre. Et il dit que tout ce royaume lui appartient. Est-ce que vous pouvez dire amen ce soir? Et qu'est-ce que nous avons constaté, mes chers amis? Nous avons vu que lorsque l'homme s'est présenté, Adam s'est présenté exactement là où se trouvait l'autel de Dieu. Dieu avait planté son autel en Éden. C'était à l'Orient, à l'Est. Et c'est là que Dieu et l'homme se rencontraient. Et chaque fois que l'homme se trouvait à cet autel-là, alors l'homme entrait en contact avec son créateur. Il pouvait communier avec Dieu. Mais lorsqu'il y a eu péché, l'homme n'avait plus l'accès à l'autel de Dieu. L'homme était obligé de bâtir un autel en substitution. Il devait bâtir une substitution. Alors, pour qu'à partir de l'autel que l'homme lui-même aurait bâti, qu'il entre en contact avec l'autel de Dieu. Et à partir des autels entre eux, ils se parlaient. Non, les autels entre eux, ils se communiquaient. C'est-à-dire, il y a un moyen, un dispositif. Lorsque toi tu parles, tu ne parles pas directement à Dieu. Tu dois parler à ton autel. Les paroles qui sont sur l'autel restent sur l'autel. Si tu as respecté les normes et les règles spirituelles, alors cela communique avec l'autel de Dieu. Et ta prière se présente devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit quelque chose? Alors si tu as saisi, tu dois applaudir le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Amen, mon cher ami. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, puisque lorsque l'homme a péché, nous voyons Dieu lui-même faire descendre les esprits. Les anges, les anges protecteurs, ils ont une mission de protéger l'autel de Dieu, de veiller sur l'autel de Dieu. Le diable aussi, il connaît que dans chaque langue, dans chaque tribu et dans chaque nation, il a des points de contact. Et ces points de contact là, ce sont des hôtels. Il y a des hôtels dans tous nos villages. Ce sont des hôtels, les moyens de connexion. Mais attention,
nation. Les hôtels de village, il n'y a aucun village qui adore le vrai Dieu. Tous nos villages, ils adorent Satan. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Ainsi, tous les hôtels qui se trouvent dans nos villages, dans nos langues, ce sont des hôtels qui vénèrent Satan. Et sur chaque hôtel satanique, il y a des veilleurs, il y a des gardiens. Et quelle est la mission de ces gardiens-là? C'est de veiller à ce que l'accord, la voix qui est sur l'autel, l'alliance établie entre les spirituels et les visibles qui sont nos ancêtres soient respectés. Et donc, le rôle de ces veilleurs, c'est de veiller à ce que le verdict de l'alliance, c'est que l'alliance stipule soit respectée. Respectée par un village, respectée par une nation, respecté par une langue. C'est pourquoi vous verrez que dans l'Apocalypse chapitre 10, il y a une deuxième prophétie que l'humanité attend. Et cette deuxième prophétie concerne les tribus, concerne les langues, concerne les nations. C'est-à-dire, ce sont les trois niveaux, les trois grands points que le diable utilise, tout comme Dieu aussi utilise. Donnez une forte acclamation à la Dieu. Est-ce que jusque-là quelqu'un a saisi? Si vous avez saisi, manifestez votre main. Merci Seigneur. Nous sommes en train de vous parler comment fonctionne le monde spirituel. La bénédiction, les bambolés, et la malédiction se manifestent dans notre vie que par l'alliance. Je répète, la bénédiction, les bambolés, la malédiction se manifestent dans notre vie que par l'alliance. Amen. Amen. Je répète encore pour la dernière fois. La bénédiction et la malédiction se manifestent dans la vie de l'homme que par l'alliance. Que par l'alliance. Vous allez voir que dans Deutéronome chapitre 28, allons rapidement, Deutéronome chapitre 28, écoutons le premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est l'alliance. C'est amen. Les accords. Si amen. Tu obéis. Soki yo tosi. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir. Verset 2, il dit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portes de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ça, c'est l'alliance. Ce sont des alliances. C'est que l'alliance stipule pour la bénédiction. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Voilà. Même l'ennemi, il doit emprunter un chemin. Même l'ennemi est obligé d'emprunter une porte. Il doit sortir par une porte, par un chemin. Ils sortiront par toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. On parle des entreprises, mon ami. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si c'est la RDC, tu seras béni. Donc, ce n'est pas la RDC qui nous bénit, mais c'est l'alliance. Est-ce que vous saisissez? C'est l'alliance, mes chers frères. Ok. Quand nous descendons vers le verset 14, écoutez ce que le verset 14 dit ceci. Que tu ne détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel avera contre toi la malédiction, le trouble, la menace. Au milieu de toutes les entreprises, vous faites des choses, ça ne va pas de l'avant. Souviens-toi que si ça ne marche pas, c'est toujours à cause de l'alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce soir? Alors, vous avez compris que la malédiction, on peut s'arrêter là-bas, la malédiction et la bénédiction, nous le voyons se manifester dans notre vie que par l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez mon problème. Je ne parle pas sur l'alliance ce soir, mais je parle sur les veilleurs. Vraiment, on me dit ceci, mes chers amis. Écoutons ce que le prophète dit. On me dit ceci. Dans le message. Dans l'été, une robe d'occasion. Mon côté à l'ibaku. Une robe d'occasion. Robe d'occasion. Du 6 décembre 1956. Paragraphe 32, partie B. Ceux qui sont venus écouter Dieu, qu'ils ouvrent leur canal spirituel. Réveillez-vous de votre sommeil. Qu'est-ce que Frère Manam dit? Et souvent, quand une bénédiction est bien en route, le diable essaye tout ce qu'il peut pour nous décourager. Je répète. Souvent. Quand une bénédiction est bien en route,
Le diable essaye de tout ce qu'il peut pour nous décourager. Je répète encore. Souvent, quand une bénédiction est bien en route, le diable essaye tout ce qu'il peut pour nous décourager. Nous en dirons des épreuves et des tests. Amen, amen. Amen. Mais Élisée, étant aussi spirituel, savait qu'il avait un objectif et qu'il n'allait pas le quitter. Ça demande quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Ça te demande quoi? Une attention. Une détermination. Si tu n'es pas déterminé, l'ennemi, il connaît. Et comment connais-tu le? Ce matin, nous avons expliqué par sa position, il veille. Il connaît tout ce que le ciel relâche. Il voit. Il connaît presque tout. À partir de sa position, il habite la voûte terrestre. Il n'y a pas un autre chemin que le ciel peut utiliser pour relâcher les réponses et l'exaucement. Il est obligé, le ciel, de passer par ce chemin-là. Mais entre le ciel et toi sur la terre, il y a la voûte terrestre. Il y a quelqu'un qui veille. C'est un veilleur pour savoir ce que le ciel a fixé pour toi. Alors il va communiquer à ses serviteurs, veilleurs, qui sont en train de veiller sur l'autel de ta famille et pour regarder quels sont les accords que vos ancêtres avaient conclus avec lui, Satan. Et maintenant, il compare le relâchement du ciel. Et il regarde, toi tu es sur la terre, tu n'es pas encore en possession de ce que tu attends du ciel, mais il y a quelqu'un qui est en train de veiller. Et il regarde que dans l'alliance, dans les voix qui parlent sur l'autel des familles, vous ne pouvez pas être riche. Vous êtes appelé toute votre vie une famille pauvre. À moins que vous acceptez de faire de nouveau des sacrifices. Parce qu'il est celui qui donne les richesses à qui il veut. Alors si tu acceptes de faire de nouveau des sacrifices, alors il relâchera. Il relâchera cela dans tes mains. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est pourquoi Frère Banam dit ceci. Souvent quand une bénédiction est bien en route, fils et filles de Dieu, écoutez-moi. Ce qui a toujours fait qu'à chaque veille, vous avez l'impression que vous obtenez la chose. Mais après quelques temps, vous ne voyez pas la réalité de la chose. Le problème, c'est les veilleurs. Le problème, c'est les gardiens qui sont en train de veiller sur l'autel de ton village, sur l'autel de ta langue, sur l'autel de ta nation. Même si tu as changé de nationalité, mon ami,
mais tu es toujours rattaché par le sang à ta, bongo, kangami na makila. À ta nation d'origine, mon ami. Na ekolo, yo, utana, yango, et s'il y a quelqu'un qui saisit cela ce soir, que le nom du Seigneur soit béni si vous saisissez. Alors, pour arriver à changer la donne, Dieu exige la détermination parmi nous ce soir. Dieu exige l'éveil de conscience parmi nous ce soir. Si tu ne prends pas conscience, si tu es en train de rêver pendant qu'on libère la parole de Dieu, si tu es en train de voyager pendant que la parole de Dieu est libérée, tu demeureras la même personne et tu sortiras tel que tu es venu. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut la détermination. Et voilà quelle est notre détermination. Nous comprenons ce soir que dans tous nos villages, dans nos tribus, nous avons les hôtels de famille. Et quel est le rôle de ces hôtels? Comme nous l'avions expliqué, que l'hôtel est un lieu d'atterrissage des esprits. S'il y a l'esprit de Dieu qui vient atterrir dans notre vie, il se servira de l'autel. S'il y a l'esprit satanique qui vient atterrir dans notre vie, il se servira de l'autel. C'est pourquoi même Dieu lui-même, pour récupérer le contrôle et remettre cela à l'homme, il avait besoin de l'autel. Et quel est l'autel qu'il a planté? C'est le calvaire. Le calvaire est notre autel, mes chers amis. Et il a placé le sacrifice sur ce calvaire. Et à partir du calvaire, mon frère, tout celui qui se dirige vers le calvaire, tout celui qui tourne son regard vers le calvaire, tout celui qui accepte l'évangile de la croix, à partir de ce moment, là, il a droit à une restauration. Il a droit à une délivrance. J'ai besoin de ton grand amen ce soir. Amen, amen. J'ai besoin d'un amen puissant et fort. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Amen. Je ne reviens pas à ce que nous avons dit le matin. Je vais descendre. Donc, j'ajoute quand même quelque chose ici. Ce matin, nous avons encore dit ceci. Très bien expliqué, il dit. Nous voyons que Satan s'est tout de suite mis à l'œuvre contre le programme de Dieu. Nous voyons ces grands malveillants du diable. Ce serpent qui a toujours essayé de contrecarrer le programme de Dieu avant que celui-ci ne se manifeste sur la terre. Et il sait toujours quand cela vient. Si toi tu croises les bras, tu dis non frère, nous sommes dans les messages. Tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, je te le donne frère. Sortons de la religion. Amen. Il ne faut pas tromper le peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas tromper les fils et les filles de Dieu. Depuis que toi tu as aimé, que tu chantes ce slogan là, quelle est l'expérience que tu as de la vie? Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15, Paul dit ceci. Paul a le biboyé. Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Verset 15. C'est pourquoi il n'est pas surprenant si ses ministres se transforment aussi en ministres de droiture.
dont la fin sera selon leurs œuvres. L'apôtre Paul nous renseigne que Satan a des ministres. Satan a des serviteurs. Qui croit que Satan a des serviteurs? Que Dieu vous bénisse parce que vous croyez que Satan a aussi des serviteurs. Vous êtes là? Dans l'harmonie de l'unité. Du 28 janvier 1958. Paragraphe 9. Frère Banham dit ceci. Le diable a deux messagers. Dieu a deux messagers. Le diable a deux messagers. Le diable a deux messagers. Et Dieu a aussi deux messagers. Et nous avons la liberté de choisir à qui nous voulons nous abandonner. Et c'est de celui-là que nous serons le serviteur. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Nous avons la liberté de faire quoi? Vous comprenez maintenant que le diable a des messagers. Ça, c'est Frère Banham qui l'a dit. Et Dieu aussi a des messagers. Le diable a son trône. Dieu a son trône. Le diable a ses hôtels. Dieu a aussi ses hôtels. Amen, amen, amen. Et Paul dit, lui-même Satan se déguise en ange de lumière. Même le ministre, le serviteur de Satan, ils se déguiseront aussi en bon serviteur. Mais ce sont des serviteurs de qui? De Satan. Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord que le diable a ses serviteurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen maintenant? Écoutez-moi attentivement ce soir. La question-réponse du 16 mai 1954, paragraphe 68. Et maintenant, pose la question sur les dragons. Nous parlerons, nous reviendrons sur les dragons. Quand les dragons agissent dans notre vie, quand la puissance du dragon est en train de tourmenter notre vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il amène la prostitution, il amène l'ivrognerie, il amène beaucoup de choses souillées et sales. Est-ce que vous m'entendez ce soir, mes peuples de Dieu? C'est quand lorsqu'un homme est dirigé par la puissance du dragon. Frère Manam pose la question, les dragons. Il dit, qui est le dragon? Et l'assemblée répond, Satan. Frère Madame confirme Satan. Et quelle nation le représentait? L'assemblée dit Rome. Et il avait des anges. Frère Madame dit, il avait des anges. Qui a des anges? Le dragon a des anges. Satan a des anges. Il avait des anges. La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours, les esprits au service du diable seraient comme des anges de lumière? Je répète encore, la Bible ne dit-elle pas que le service, amen, amen, les esprits au service du diable seraient comme des anges de lumière? Donc il y a des esprits ce soir qui sont les esprits du diable. Ils sont là en train de sillonner, ils sont en train de gouverner, ils sont en train de polluer l'espace congolais, ils sont en train de polluer l'espace africain, ils sont en train de polluer l'espace du monde. Donc ce sont les esprits au service du diable. Donc Dieu a ses esprits et le diable a aussi ses esprits. Mais dans les derniers jours, il y aura une confusion où il y aura un mélange de tout. Merci Seigneur pour cet avertissement. Mais s'il ne parle pas conformément à ceci, laissez-les va tranquille. Laissez-les au pluriel. Laissez-les va tranquille.
Laissez-les et toi va tranquille. Tikabango yo kende na kimia. Amen, amen. Amen. Si les esprits parlent aujourd'hui, nous avons une seule référence. Et quelle est notre référence? C'est la Bible, l'Urim et Thummim de Dieu. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Vous êtes d'accord maintenant? Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Dieu a des messagers. Dieu a des ministres. Dieu a des esprits. Satan a des messagers. Il a des ministres. Il a aussi ses esprits. Maintenant, descendons au niveau individuel. Ça, c'est Jésus qui nous informe. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18, au verset 10. Écoutez-moi ce cheminement. Jésus dit à ses disciples: gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père dans les cieux. Maintenant, la parole nous affirme que chacun de nous a des anges. Tel que tu es là, tu as les anges. Il y a leur ange. Tu as ton ange. Il n'est pas sur la terre, mais il est devant la face du Père. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cette information. Maintenant, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Maintenant, dans Luc chapitre 1er. Non, je peux aller trop vite. Frère Manam dit ceci. Il dit: je prends la première déclaration et la seconde. Regardez, Dieu peut envoyer beaucoup d'anges. Nous tous, nous avons des anges gardiens. Ça, c'est Frère Manam qui confirme. Donc, individuellement, nous avons des anges gardiens. Qui peut dire amen? Nous tous, nous avons des anges gardiens. Donc je parle des gardiens. Je parle des veilleurs. Ces anges gardiens là, c'est eux qui veillent sur nos hôtels. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Maintenant, la deuxième déclaration, Frère Banam dit: voyez, Dieu a toujours eu des esprits à son service. Alléluia. Amen. Je crois en eux. Frère Banam croit aux esprits qui sont au service de Dieu. Je crois aux esprits qui sont au service. Qui sont au service. Envoyés de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il commence à énumérer ces esprits-là. Il commence, premier point, le Saint-Esprit. Deuxième point, les prédicateurs. Troisième point, conduire l'Église. Les anges gardien qui veille sur nous. Dans la catégorie des gardiens, dans la catégorie des veilleurs, il y a une autre catégorie. C'est un veilleur humain, un veilleur homme. Et dans chaque assemblée locale, il y a un veilleur qui doit veiller sur l'assemblée locale. Et qui est ce veilleur là? C'est le pasteur. Amen. Il peut dire un grand amen. Amen. C'est correct. Le pasteur. Retenez-le bien. À l'absence du pasteur, peu importe, le diable attaquera toujours. Dites amen. Amen. Peu importe étalité. Tout prédicateur qui peut venir, même si Frère Branham venait prêcher dans cette église chaîne de Mamre, il est obligé de dépendre dans les domaines spirituels de l'ange qui veille. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu de votre amen? Amen. Est-ce que tu es convaincu de ton amen ce soir? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Encore amen? Amen.
Écoutons frère Branham. Vous êtes prêts? Amen. Notre espoir repose en Dieu. 29 novembre et septembre 1951. Deuxième paragraphe. Je peux prendre le tout, mais sinon c'est la partie B. Je prends directement la partie B de ce paragraphe. Écoutons ce que Frère Branham dit. Vous êtes là, regardez. Lisez. Souvent, les gens, quand ils sont dans la réunion, je ne suis jamais là. Et Satan en profite. Relisons encore. Souvent, les gens, quand ils sont dans la réunion, je ne suis jamais là. Et Satan en profite. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y avait des réunions qui s'organisaient. Quand Frère Branham n'était pas dans la réunion, c'est là que Satan profitait pour frapper. Dites amen. Comme on fait 3 ou 4 jours parfois, il faut plus que ça. Ça, c'est la recommandation maintenant. Frère, ne négligez pas l'ordre du Saint-Esprit. Ce matin, les officiels, il n'y en avait que quelques-uns. C'est-à-dire, chacun avait une esquisse. C'est-à-dire, ils ont désobéi à l'ordre. Quand le pasteur donne un ordre, tous les officiels, ils doivent être au premier rangé. Qui peut dire amen? Amen. Vos amens sont faibles, pourquoi? Amen. Je répète encore. Quand le pasteur donne une vision, parce que c'est un corps, le pied ne peut pas être à la maison. L'esprit au marché et la main à l'église. Est-ce que vous allez avancer? Est-ce que vous avancerez? Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Servir Dieu, c'est le servir de tout cœur. Nous avions écouté l'ordre du Saint-Esprit que nous devons être là à 5h du matin. Je me suis retrouvé qu'avec quelques officiels. Les autres dormaient. Et le fait qu'ils s'absentent là, ils ne savent pas qu'ils combattent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je vais vous lire les Écritures. Frère Branham priait sur Baxter. Il dit Satan l'a pris. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je parle là, le diable vient, il met des cotons dans vos oreilles pour que vous ne puissiez pas voir l'importance de servir Dieu. Et d'obéir au mot d'ordre du Saint-Esprit. Comme je ne veux pas que le diable puisse continuer à avoir la même mise sur vous, je dois frapper cet esprit-là dans cette assemblée. J'attaque l'esprit, mais je ne t'attaque pas toi. Je fais la séparation de toi et des démons qui sont en train de te contrôler immédiatement. Amen. Si tu es fatigué, dépose.
Dépose simplement. Ne ramasse pas la malédiction dans ta vie. Dites, pasteur, je ne saurais plus continuer. Je dépose. Il y a bien des gens que le Saint-Esprit pointera du doigt. Que faire un service à moitié. Tu fais du mal pour ta famille. Tu fais du mal pour tes enfants. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous entendez? Quand nous sommes au service du Seigneur, c'est un service commandé, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà vu le général donner les ordres et le colonel dit, je ne vais pas respecter cet ordre? Non, il dit toujours à vos ordres. C'est comme ça que marche l'église. 5 heures, tout le monde doit être là à 5 heures. Parce que tant que moi je suis fort et que vous êtes faible, nous n'irons pas de l'avant. Vous serez les premiers à chanter que les choses ne marchent pas. Mais vous ne saurez pas que c'est vous-même qui êtes à la base que les choses n'avancent pas. Vous bloquez tout ce monde ici par votre désobéissance. Si le Saint-Esprit t'a pointé de travailler dans cette église, tu dois le faire correctement. Tu dois le faire avec toute ton intelligence, avec toute ton énergie, avec toute ta force, avec toute ta confiance. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Amen. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Là, amen. C'est impossible de voir le président de la République au front, mais son gouvernement assis. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, dans les normes terrestres, avant qu'une réunion commence, c'est le gouvernement qui arrive le premier. Est-ce que c'est la vérité? Dès que le président est déjà entré, personne d'autre ne peut entrer. Si nous savons respecter l'ordre naturel des choses, respecter aussi l'œuvre de Dieu. Est-ce que les huissiers, les administrateurs m'entendent, les trésoriers, tout ce monde m'entende, les concierges, est-ce que vous m'entendez? Le chantre, est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. Comprenez votre responsabilité. À moins qu'il y ait une raison valable qui vous empêche de ne pas être à votre poste du devoir. Mais tant que cela n'est pas le cas, tu dois te retrouver à ton poste du devoir pour servir l'Éternel Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Prenons l'âme dit ceci. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Souvent, quand je suis absent dans une réunion, c'est là que le diable profite. Le diable fait des choses, il fait des choses, il bouge là-bas, il bouge ici, il bouge là-bas, il bouge ici. Vous savez pourquoi? Parce que je suis l'ange de cette église. Oui, angelou, amen. Qui croit que je suis l'ange de cette église? Amen. Amen. Je ne me suis pas fait ange. Amen. C'est Dieu qui m'a placé là. Angelou. Amen. Ouais. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. J'ai besoin d'un amen fort et vivant. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé qu'il y a du désordre. Vous commencez à consulter n'importe qui. Vous avez un problème. Vous allez consulter un huissier, un administrateur, un ministre. Ce n'est pas la parole. Je dis bien, ce n'est pas la parole. Tout ce que vous faites, vous avez vos préférences. Moi, je m'entends bien avec tel. Sache que tu vis en désordre. Tu es en dehors de l'ordre du Saint-Esprit. Si amen. Tu es fatigué, dépose.
part. Kende. Sortez. Bima. Va servir Dieu. Kende ko sali lanza. Là où tu feras de cette église. Et si koyo ko sali te lo sa maison. Ndakuna yo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, Kanga. Nous devons avancer. Et Seigneur, tout kende liboso. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, bonsoir, Pene. Nous devons avancer. C'est Seigneur, tout kende liboso. L'air n'est plus là à vous dorloter. Tango isate ya kobonde la kabino. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Est-ce que c'est la parole? Amen. C'est la parole, ce n'est pas la parole. Amen. Moi, je suis là, je ne connais rien. J'apprends toujours des internes, voire même mes collaborateurs. Ils ne me consultent pas. Ils se consultent entre eux. Vous êtes des désordonnés. Vous marchez en désordre. Revenez à l'ordre de la parole. Respectez l'ordre de Dieu que Dieu a placé dans l'assemblée locale. Le Saint-Esprit viendra vers vous. Et il travaillera encore au travers de vous. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire un grand amen à la parole? Amen. Et tout ça, c'est le travail du diable. Il n'y a pas deux surveillants dans cette église. Il n'y a pas trois surveillants dans cette église. Il n'y aura pas des anges ici. Même si j'ai un associé, même si j'ai des associés, tous, ils dépendent de l'ange de cette assemblée locale. Est-ce qu'il y a des croyants qui peuvent dire amen à toute la parole de Dieu? Tu n'as pas le droit de prendre la décision. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation de la tête. C'est pourquoi le pasteur est la tête de. La tête du pasteur associé. Parce que le premier croyant de l'église locale, c'est le pasteur associé. Un homme de confiance. Un homme de cœur. Il croit. C'est pourquoi au Branham Tabernacle, il passait par serment. Est-ce que vous le savez? Tous les officiels passaient par serment. Ils doivent jurer devant le pasteur de rester fidèle à l'homme, pas au Saint-Esprit. À l'homme. Je resterai fidèle à toi. Et vous savez, c'est proscrit là. Même dans les erreurs. Je n'en parlerai pas. Qui peut dire amen à la parole? Amen. C'est la loi de Dieu. Et quand nous suivons ces lois, le Saint-Esprit va prendre contrôle de tous les esprits qui seront dehors et nous ferons la même voie, la même route et nous marcherons avec la victoire. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Maintenant, nous venons de comprendre que même le prédicateur, c'est un veilleur. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, je pense. Qu'est-ce que Hébreux 12 déclare? Hébreux 13, 17 dit ceci. Écoutez ce qu'Hébreux 13 déclare. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant
en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Enfin qu'il le fasse avec joie. Donc, tu n'as pas d'intérêt de ne pas respecter ces petites choses-là. Parce que dès que le conducteur est attristé, c'est la malédiction qui tombe dans ta vie. C'est la malédiction de l'alliance qui tombe dans ta vie. Parce que c'est un veilleur. Est-ce que vous comprenez? C'est un veilleur. Il veille. Dès qu'il est triste simplement, dès qu'il est touché simplement, et nous avons les évidences. C'est pourquoi moi personnellement, Dieu m'a donné un grand cœur. Mais attention de ne pas me frustrer. Parce que je me rappelle une fois quand j'ai été frustré pour un croyant, jusqu'aujourd'hui je demande à Dieu, fais quelque chose. Le frère ne s'est jamais relevé. Mais c'était l'homme, le premier homme d'affaires de cette église. Il avait beaucoup de bien. Mais une fois que j'étais frustré, j'étais encore jeune dans le travail. J'étais beaucoup dérangé. Jusqu'aujourd'hui, il ne se relève pas. Vous devez veiller à ces petites choses-là pour que votre vie ne soit pas touchée. Parce que Dieu m'a établi. Ce n'est pas toi qui m'établis, c'est Dieu qui m'a établi. Veilleur de quoi? De vos âmes. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus et chassons Amen. Satan. Et quand vous êtes obéissant aux gens qui travaillent avec le veilleur, vous êtes en train d'obéir à Dieu. Vous les écoutez, vous écoutez leurs conseils, vous êtes en train aussi de servir Dieu en faisant cela. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Maintenant, nous avons compris que Dieu a des messages. Satan a des messagers. Dieu a des ministres. Satan a des ministres. Dieu a des serviteurs. Satan a des serviteurs. Il a des esprits. Satan a ses esprits. Voilà les de part et d'autre, il y a toujours ces deux-là. Et notre problème ici ce soir, c'est qu'il arrive que dans ma famille, il y a certains contrats que les ancêtres ont signés avec Satan. Qui font que dans cette famille, nous ne pouvons pas aller très loin. Et les veilleurs, leur mission, quand toi tu cherches à aller en dehors du contrat, c'est eux qui vont tout faire pour bloquer, pour bakanga, que tu n'obtiennes pas. Je ne sais pas quel exemple je peux donner. Amen. Amen. Je vais donner un exemple. Est-ce qu'on peut avoir une corde? Même un câble. Donnez-moi un câble qui n'est pas utilisé. Je vais démontrer cela. Pour que vous compreniez ce qui se passe dans le spirituel. Amenez-moi un câble, même un mètre, même deux mètres. Amenez-moi un câble. Faites vite, rapidement. Oui, même cette dimension-là. Amenez-moi un câble. Alors, j'ai besoin de deux personnes ou trois personnes ici. Ok. Et j'ai encore besoin d'une autre personne. Venez, frère. Maintenant, toi, tu tiens là-bas. Maintenant, frère, tu tiens aussi au bout. Sois en ligne. Vous regardez? Ça, c'est l'hôtel de famille.
Lui, il est de cette famille, mais il y a un hôtel qui est là. Lui, il est attaché à l'hôtel de sa famille par les liens. C'est une corde qui l'attache. Vous savez, la Bible a parlé du cordon ombilical qui l'attache à la famille. Maintenant, ça dépend de la longueur du corps. Alors, rapproche-toi. Quand il est... Non, toi tu ne bouges, toi tu es l'autel, tu n'es pas un être humain. Tu ne bouges plus. C'est lui qui doit bouger. Lui, quand il est ici, toutes les bonnes choses qui se retrouvent à 0,5, il a droit de posséder ça. Parce que ça ne marche pas en dehors du contrat. Est-ce que vous me comprenez? Il peut avoir $500. Il peut avoir $1,000. Il peut avoir $5,000. Au fur et à mesure qu'il cherche à aller, c'est comme si tu cherches à aller. Il veut avancer. À un moment donné, il va s'arrêter parce qu'il y a une limite dans sa vie. Selon les accords des ancêtres. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, quand il chauffe la prière, il est en train de prier, il prie. À un moment donné, tiens avec cette main ici. Maintenant, regarde la salle là-bas. Maintenant, étends ta main. Mettons par exemple, maintenant, grâce vient. Maintenant, elle est là. Elle se tient là-bas. Admettons que lui, il est en train de chercher une épouse. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Il cherche une femme à épouser. Pendant qu'il cherche, il prie. Mais dans l'alliance sur l'autel, on a dit qu'eux, ils ne se marieront pas. C'est ce qui est écrit sur l'autel. C'est la voix qui crie sur l'autel. Quand il chauffe, il tente. Force. Maintenant, pendant qu'il force, les veilleurs qui veillent sur ce qui est sur l'autel, il regarde son mouvement. Il dit, ah, il cherche à sortir. Mais regardons, qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les paroles qui parlent dans leur famille? Ils regardent, non, il ne peut pas se marier. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viendront. Alors ils vont chercher un autre. Venez. Ils cherchent maintenant un autre. Mais toi, regarde la sœur là-bas. Il s'interpose entre lui et elle. Lui n'est pas le vrai homme qui devait l'épouser. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais les esprits ont décidé que lui ne peut pas avoir cette femme-là. Ils permettront qu'un autre vienne le prendre en mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose? Pour faire que lui, dans sa vie, qu'il soit toujours esclave des paroles qui se trouvent sur l'autel de la famille. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Maintenant, Dieu te dit ce soir, il faut changer la mode de prière. Il ne faut pas simplement prier par la foi. Il faut chercher une autre alliance. Plus forte, plus puissante que les accords des ancêtres. Qui peut dire amen à la parole ce soir? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. C'est ce qui va se passer dans ces deux jours. Qui reste demain et dimanche. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Nous allons couper les liens. Nous allons couper les liens. Et le frère sera libre. Mais ce n'est pas encore la délivrance. Il n'est pas encore délivré. Qui peut dire
amène à la parole, c'est la première étape de sa délivrance, mais il n'est pas encore délivré. Acclamons très fort le Seigneur. Retournez à votre place. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, si sur l'autel de ta famille, on a dit que toi tu ne peux pas avancer, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lisais cet après-midi, Frère Branham dire, il y a des mots qui approche rapidement le Saint-Esprit dans nos vies. Quand tu utilises ce mot-là, le Saint-Esprit ne tarde plus. Il vient avec vitesse. Il faut savoir certains mots pour provoquer le ciel, afin que le ciel descende rapidement. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Non, le frère, comme on a coupé les liens, lui pense qu'il est déjà délivré. Non, il est seulement dans le processus de la délivrance. Et il n'est pas encore délivré. Parce que l'éveilleur est toujours là. Il est en train de le suivre. Mais ce soir, nous allons renverser l'autel de la famille. Que Dieu vous donne les mots corrects pour renverser l'autel de ta famille. Il y a trois autels que nous allons renverser ce soir. L'autel de ta nation. L'autel de ton village. L'autel du tribu. Et de ta langue. Et de la langue de la langue. Amen, amen. Amen. Parce que nous avons quatre langues nationales. Ça, ce sont des langues nationales. Mais s'il y a une seconde langue, qui est la langue d'origine, même si tu ne parles pas cette langue-là, tu dois détruire l'autel de cette langue. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Voilà pourquoi nous retournons dans Juge. Je vais terminer. Dans Juge chapitre 6. La Bible dit ceci. Juge 6. Au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main des mendiants. Dieu ne choisira pas une autre personne, c'est seulement toi. Ta nation, c'est toi qui vas le faire. Même si tu es la plus méprisée de toutes, le moindre de tous. Dieu n'a pas besoin des hommes puissants physiquement, non. Quand lui il choisit, il choisit. Et je crois de tout mon cœur qu'il t'a choisi pour être dans ce programme. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre de la main des mendiants Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Là, Dieu donne la mission à qui? Alors Gédéon connaît la mission. Il connaît ce que Dieu attend de lui. Mais attention, il ne suffit pas de connaître simplement ce que Dieu veut de vous. Mais il faut te rappeler qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Ces choses vont s'élever contre la croissance de tes enfants. Ces choses vont s'élever contre même l'intelligence sur tes enfants. Ces choses vont s'élever contre la bonne éducation sur tes enfants. Ces choses s'élèveront contre tous les domaines de ta vie. Alors rappelle-toi que même si tu connais ce que Dieu veut de toi, Dieu te demandera ce soir, laissez d'abord la mission de côté. Il y a des choses que tu dois régler avant de venir accomplir la mission. Quelles sont les choses que tu dois régler? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai
ai-je Israël? Voici ma famille et la plus pauvre à Manassé. C'était inscrit sur l'autel de la famille que la famille de Gédéon et ne seront jamais comptés parmi les riches. Il parle de sa famille, mon frère. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Il parle de sa famille, mon frère. Il dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Mandia comme un seul homme. Sur quoi tu vas compter ce soir? Compter sur la parole de Dieu. Et reverser la parole de Dieu sur Satan ce soir. Tu verras le Dieu de la parole, le Dieu de l'alliance, être derrière son alliance. Et il confirmera son alliance dans ta propre vie. Qui veut dire amen à la parole? Amen. Mais, avant de le faire, nous sommes au verset 25. Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et ses compteurs. Regardez, c'était 7 ans. Renverse l'autel. Il devait avoir le sacrifice pour renverser l'autel. Vous devez avoir le sacrifice pour renverser l'autel de la famille. On ne renverse pas l'autel main vide. On doit avoir le sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? C'est la règle que Dieu a prescrite. Amen. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Pourquoi? Parce que c'est un aéroport. Des esprits, des veilleurs. Quand les veilleurs atterrissent dessus, ils exécutent l'alliance que tes ancêtres ont conclue. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Mais renverse d'abord ça pour que dans ta mission, que rien ne t'empêche, rien ne s'élève devant toi. Rien ne s'élève contre ta mission. Vous savez pourquoi vous échouez? Parce que vous êtes parti, mais vous avez oublié que dans ta famille, il y a 3 autels que tu dois renverser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sous l'ordre du Saint-Esprit ce soir, avec l'autorité de la parole, renversons les autels de famille. Pour que chacun soit libre de se tenir dans la porte du succès. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur ce soir? Oh Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame dit ceci. Je termine. Mettez-vous debout. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Paragraphe 47. Et vous allez remarquer, demain le matin, je pense que Dieu va nous conduire toujours là-dedans. Vous allez voir que c'est là où vous allez voir ce que Jésus a dit. Quand on chasse un démon, cet esprit part. Et il n'est pas loin. Parce qu'il y a toujours l'autel des familles qui existent. Il le rôde.
Azubaru kawana pembeni. Il rote. Aubaru kanzinga nzinga. Et P. S'il trouve que il y a encore la connexion, ce qui a monité boyo kaneza kaka, il ne viendra plus seul. Il cherchera les accords avec d'autres esprits. Jésus a parlé de sept. Plus celui qu'on a délogé, ça fait huit. Ils viendront. Pourquoi? Il y a encore l'autel, les lieux d'atterrissage. Ils ont toujours un droit. Et demain, Dieu voulant, nous parlerons comment il se connecte dans votre vie. Il vous contrôle par le sang. Est-ce que vous m'assistez très bien? C'est pourquoi dans le sang il y a des paroles. Quelle est la parole de qui est dans ton sang maintenant? Là? Le sang qui circule en toi, il y a des paroles. Et ces paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Est-ce que vous m'autorisez? Amen. Asseyez-vous un instant. Je vais faire une petite démonstration. Huissier, amenez-moi les pompes à souffler. Amenez-moi les pompes à souffler là. Et de l'eau. Je vais vous montrer ce qui se passera. C'est pourquoi il est nécessaire. Nous allons faire des démonstrations différentes. Et c'est ce que Dieu va faire dans votre vie ce soir. Ça y est là sur la table. Tu pars où? Okay. Faites-moi sortir une pompe. Donc, tu vas simplement souffler ici. Souffle encore. Ok. Et qui peut encore souffler? Toi, tu souffles ici. Un peu seulement. Ça va. Un peu, un peu. Maintenant, mets de l'eau ici. C'est quoi le chamaï? Ouvre, ou bien avant, enlève d'abord l'air. Voilà, faites porter à main de l'eau. Mettez encore. C'est plein. Maintenant, soufflez. Non, non. Fermez et souffle. Vas-y. Ajoutez encore un peu d'eau. Vous allez voir la différence des deux ballons ici. Pourquoi tu as la boque, c'est une bande de bombes et balais? Il n'y a pas assez d'eau ici. On fait d'abord la première démonstration pendant que faites de l'eau pendant que nous nous faisons. Donnez-moi ça. Tourne un peu, tourne. Frère Banam, c'est un prophète. Maintenant, je veux mettre du feu. Vous êtes ensemble avec moi. Amen. Vous allez voir la différence. Quand un homme sent la parole de Dieu, il explose à n'importe quoi. Parce qu'il est vide. C'est vrai ou c'est faux? Qui peut venir? Viens. Tiens comme ça. N'aie pas peur. Tiens seulement bien pour que l'air n'est pas. Maintenant, nous allons simplement mettre du feu. Mettez assez de l'eau là-bas et je vous attends. Non. Ce qu'il faut faire. Attendez. Il y a assez d'eau ici.
Ça suffit. Maintenant, gonfler simplement. Non, c'est fini. Tu peux gonfler. Souffle. L'exercice est difficile. Ok, je vais mettre du feu ici. Vous allez voir la différence. Ça, c'est vous. Quand il n'y a rien à l'intérieur, dès qu'on met du feu, vous allez voir la différence. Hein? Je vais soulever un peu pour que les autres voient. Dès que je mets du feu, ça fait quoi? Ça explose directement. Maintenant, je pars ici. Hein? Est-ce qu'il y a assez de l'eau ici? Voilà, mettez-moi, je vais faire la même chose. C'est fini, ça suffit. Ça suffit. Mettez bien, je vais mettre du feu. Ça n'explose pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole. Alléluia. Dès qu'il y a la parole de Dieu à l'intérieur, alléluia, tu ne peux plus exposer à n'importe quelle attaque du diable. Il y a quelqu'un qui peut dire amen ce soir. Amen. Prenez la parole dans votre vie. Mais quand vous n'avez pas la parole de Dieu, n'importe quoi fait exploser votre propre vie. Mettons-nous debout. Est-ce qu'il y a moyen de renverser ces trois autels ce soir? Et quand nous renversons les autels, ce n'est pas la prière. Vous croyez la parole, vous avancez sur la base de l'autorité de la parole. Amen, amen. Et vous réclamez parce que c'est toi qui dois faire ce travail. Que Dieu puisse venir à ton secours ce soir. Quand il n'y aura plus la atterrissage, le lieu d'atterrissage. Quand les esprits là viendront, ils manqueront où se poser. Alléluia. Amen. Et nous allons les poursuivre. Ton ange à toi, il va les combattre. Il pouvait bloquer ton ange, mais puisque nous allons libérer ton ange, ton ange va s'occuper d'eux aujourd'hui. Qui peut dire amen à la vérité de la parole? Amen. Mettons-nous debout. Je lève mes yeux. Amen. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Adoration, le ciel se rapproche. Adore avec ton esprit, ton cœur. Sur moi, l'ancien divin. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Vers les montagnes. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Et ta puissance descend sur moi.
Jésus.
nous allons lever nos mains. À main droite. Donc on tombe dans le bois comme au Bali. Renversons l'autel de la langue. Renverser l'autel du village. Et renverser l'autel familial. Renverser l'autel de la nation. Que dans tous ces autels, là où il y a des voix qui citent ton nom, que personne ne viennent encore réclamer ton nom. Avec votre main levée, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, comme Gédéon, sous l'ordre de l'Éternel et du Saint-Esprit, je viens devant toi pour trouver la force. Parce que tu as dit, tu marcheras avec moi. Tu ne partirais pas seul. Et toi, quand tu es venu, dans les jours de ta chair, tu as dit, à la fin de ton ministère, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai un paraclet. Toi, notre paraclet. Toi, notre secours. Je lève ma main droite devant ce secours. Viens immédiatement. Secours-moi, Seigneur. Donne-moi la force. Parce que tu as dit, selon l'alliance, que c'est toi qui donnes la force. J'ai besoin de cette force, Seigneur. Change mes mots. Change mes phrases. Quand je parlerai ce soir, que ce ne soit pas ma parole, mais la parole de la prophétie que j'ai avalé dans mon cœur, ressort dans ma bouche et croise l'autel. Enfin que cet autel soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit, à mon nom, tu chasseras. À mon nom, tu lieras. Maintenant, en tant que corps local, ici au chêne de Mamré, nous lions au renversement des autels qui se trouvent dans ma tribu, qui se trouvent dans ma nation, qui se trouvent dans ma langue. Je renverse ces autels-là, au nom de Jésus-Christ, tu as dit en ton nom, tout genou fléchira, que les paroles sur ces autels s'inclinent devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens encore renverser l'autel de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que chacun prie.
Notre Père Céleste, encore une fois ce soir nous te disons merci. Nous te glorifions pour ta présence parmi nous. Et nous croyons que tu as exaucé la prière de tout un chacun de nous. Parce que tu as dit dans ta parole, Père, que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour l'exaucement au notre Dieu. Merci pour la réponse à nos prières. Que l'honneur
l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent ce soir. Béni ton serviteur, notre pasteur, le canal par lequel tu nous as parlé ce soir. Béni nos âmes qui ont reçu ta parole. Maintenant, notre Père et notre Dieu, nous allons passer à l'étape de récolter les dîmes et les offrandes. Puisses-tu bénir cette étape, notre roi. Puisses-tu bénir tes enfants, notre Père et notre Dieu. Et Seigneur, au moment de retourner à la maison, laisse que tes anges nous accompagnent, que tes anges nous ramènent dans nos demeures, notre Père. Et si tu permets, demain à 5 heures, que nous puissions être dans cette salle pour communier avec toi, et aussi le soir communier avec toi, nous ne manquerons jamais de te remercier. Merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Merci pour tout le merveille. Dans les noms qui sont au-dessus de tous les noms, le nom de la victoire, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié demandé et nous disons tous Amen. Sans plus tarder, avançons avec nos dîmes et nos offrandes. You are Yahweh.